je devais partir de mes amis chez moi, je me suis mis à pleurer quand j'étais comme au camp. Et sur la page, comment faire les mères et les voitures. Ma mère est tournée vers moi pour me prendre la main. Des larmes m'ont coulé sur mes joues. Mon deuxième est, après aller au camp, j'étais tellement heureux de recevoir mes parents. Hein. Sur la même page 119, c'est quand j'ai revu mon frère, mon cœur a rempli de bonheur. Et après aller au camp, j'étais très excitée pour aller encore. Et ça, c'est la dernière page, 122. Je souris en jouant avec une des virgules sur mon bracelet. Je ne sais pas ce que l'avenir va faire, mais je sais que ces semaines dans le bas est-ce que quelqu'un savait c'est quoi que breloque veut dire? Breloque, j'ai peut-être une idée. Ouais, moi, c'est dans quelle page? Moi aussi, ça c'est mon beau mot. Moi non plus, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi j'ai peut-être une idée, mais j'ai besoin que vous me dites c'est quoi la page. Breloque, c'est à 112. 122. 122. Bon, ça dit un bracelet, c'est comme un jouet avec le breloque. Oh, c'est comme une petite... C'est pas une genre de clochette, là? Yeah, c'est comme une... Ça, tu as le bracelet, elle est chaude sur les bracelets. Je pense que ça se... Oui, c'est des genres de perles sur les bracelets, là, ou quelque chose de même. Des fois, ils sont décorés avec des grelots, là. Quelque chose de même, là. Je crois que c'est la 21. 21. L'avant-dernière page. Ouais. Ma question, c'est pourquoi elle était aussi heureuse? Parce que quand même, c'est bien de revoir son frère, mais il y a sûrement des amis qui lui ont manqué là-bas. Pourquoi elle était heureuse? Non, pas de partir, elle dit que j'étais tellement heureuse. Mais parce qu'elle a manqué ses amis aussi. Oui, mais le problème maintenant, je comprends pas parce que elle a pleuré au parce camp. Que ça dit, parce qu'elle était amoureuse de Loki. Mais elle voulait recevoir ses amis et sa frère parce que ben il lui manquait parce que. Je comprends pas vraiment ta question à cause de ça. Parce que ici ça dit Je n'arrive donc plus à me faire pour notre amitié, mais quand je leur ai parlé de Loïc, j'ai Hugo, il était pas content. Ouais, Hugo, il était genre pas content. Il était jaloux, en fait. Parce qu'on peut dire qu'il était amoureux. Non, parce qu'au début du livre, ça dit qu'il a dit non, donc il a dit que ça... Il était avec quelqu'un, il était avec une autre fille. Yeah, moi, je pense qu'il est sûrement jaloux parce qu'il a peur que comme Loïc prenne la place d'ami de comme Coralie. Ben, je vois pas de quoi il parle parce qu'il habite au bas du fleuve, Loïc. Ça, c'était son chalet. Ça, c'était à son chalet. Ils l'ont dit à un moment donné, qu'il y avait proche, que Loïc et Sophie habitent proche, où ils vont se faire des poissons, des chars. Ils vont faire pour que ça marche. Ouais. Avec ça, c'est ça.
allée enfin rentrer à la maison. Elle est triste de quitter ses nouveaux amis, mais heureuse de revoir son frère et rencontrer la fameuse Caroline. Elle n'oubliera jamais ses vacances. Qui fait que c'est genre un mélange entre les deux parce qu'elle était triste de partir, mais qu'elle était contente d'aller chez elle. Fait que c'est genre triste, heureux, c'est comme le milieu. Ouais, c'est comme quand tu vas comme un festival, quelque chose comme ça. Tu es content de voir ton ami, tout ça. Voir ton ami, mais t'es aussi content quand tu reviens à la maison. Yeah. Ok, là, je comprends mieux. Mon bon mot c'était voilà. Ça c'est des trucs sur les bracelets là. Ouais. C'était tout? Ouais.